Oh mais dis donc, ça va aller ouais. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Farming Simulator 17h, on est toujours sur la map Sambreville. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire des tours de magie, on va faire passer les vaches. Ça fait deux fois. On va faire passer les vaches à travers le tracteur, par-dessus la benne, et tout, et tout, et tout. Tour de magie, c'est parti, let's go. Non, sans déconner. Aujourd'hui, on va aller s'occuper un peu de nos vaches. On peut voir qu'on a un peu de fumier, donc voilà, le télescope, enfin, tout est prêt pour travailler. Hop, on va sauter, je vais vous montrer vite fait. Ah, ça me paraît bizarre, le schmilblick, là. Je vais vous montrer, du coup, j'ai évacué mes balles... Mes bottes deux fois j'ai été acheter des bottes de paille. Il me semblait que j'avais acheté autre... Ah non, j'avais acheté que des bottes de paille. J'ai acheté des bottes de paille alors on risque je crois parce que j'avais pas fait de retour non j'ai pas fait de retour sauvegarde donc voilà. On risque éventuellement de voir si je l'ai pas fait. Je m'en rappelle plus. Alors, pour vous tout vous dire, depuis la dernière vidéo, j'avais joué un petit peu après pour finir ce que j'avais à finir. Et après, j'y suis pas retourné depuis. Donc ça fait quand même un petit moment que je suis pas retourné sur Sambreville. Et j'avoue que ça me manquait un peu. Et donc, il risque d'y avoir des ballots qui se promènent. Parce que, voilà, j'ai eu un souci de conduite, on va dire. Et du coup, les ballots, ils ont volé. Simplement. Simplement, simplement, simplement. Donc, on va les curer ça. Pas de nouveautés, pas de nouveaux animaux, pas de nouveaux machins. Rien de nouveau. De toute façon, l'autre fois, ben là, on est dans le tracteur. On a celui-là qui est prêt. Qui est prêt à donner à bouffer. J'avais un peu tout préparé quand même, hein. J'avais pas rien fait, j'avais un petit peu tout préparé. D'ailleurs, on m'a demandé ce que j'utilisais comme bol, donc voilà, c'est le bol là. C'est vrai que j'ai pas répondu aux commentaires parce que je ne savais plus, donc je voulais pas dire de conneries. Donc c'est le profil de chez Kuhn. Celui-là est disponible sur le module directement du jeu. À savoir qu'il y a une autre version que je ne sais plus où elle était parce que je ne l'ai pas retrouvée. Donc après, elle doit se retrouver à mon avis en cherchant qu'une profil machin. Qui prend directement dans les mélangeuses. Donc moi, j'avais eu le problème, machin truc, hein, je vous avais dit, machin, on n'arrivait pas à prendre. Tout simplement, j'ai remodifié la machine et elle fonctionne avec la mélangeuse. Voilà, tout simplement. Attends, on va re-sauter dans le tracteur là pour pas re-switch dans tous les mêmes. Ici, on est où? On est dans le camion, on s'en fiche. Ah ici, les bouteilles. Ben je crois que c'était tout. Si j'ai sorti déjà, oui voilà, c'est pour ça qu'il y a le camion là. Ça fait du bruit hein. Bruyant de ouf ici. Hein. J'ai déjà sorti quelques petites palettes, comme vous pouvez voir. Ouais. J'avais déjà sorti 8. 2, 4, 6, 8. Voilà, toute une rangée. Voilà, donc là c'est encore en train de se fabriquer. Hein. On va essayer d'en faire quand même pas mal. Pour pouvoir lancer le truc. C'est vrai que c'est vachement bruyant. Hein. Mais je l'ai pas complété. Vous voyez, quand j'ai fait le truc, je l'ai pas complété. J'ai pas refait de voyage de copeaux. De toute façon, des copeaux, il va falloir que j'en refasse. J'ai pas fait de voyage de sable. J'ai pas refait de voyage de chaud. Enfin, il faut plus de sable que de chaud, du coup. On avait fait le plein de ça. Oui, on avait fait le plein. Oui, parce que la chaux, elle est là-bas. Et j'avais pris la remorque. Oui, c'est vrai. Donc, on avait fait le plein et ça consomme plus de sable. D'accord. Donc aujourd'hui, allez, on est parti, on va curer, parce que bon, en attendant, on fout rien. Et mon patron va m'engueuler. Faut pas déconner non plus. Donc le retour des vidéos progressivement, ainsi que les lives sur Twitch, les amis. On va s'y remettre. Faut enlever le frame. On va s'y remettre tout doucement. J'avais rajouté un mode aussi. Alors, j'avais rajouté un mode... Vous pouvez voir qu'il est marqué tout en bas du F1 là que le scorpion il cause light compaction. Voilà, tout simplement si je vais dans un champ avec, il va
compacté. Un poquito. Un tout poquito. Ouais, par contre, ça c'est chiant. Non, franchement, ça c'est chiant. Je te jure, Giant, sans déconner, si vous pouviez faire en sorte qu'on puisse parquer les vaches, vous savez, enfin, là je pourrais, mais bon, j'ai pas envie de me faire chier à machin, à transvaser les vaches là, juste pour machiner. Mais je sais pas, genre, il y a une barrière, les vaches elles passent pas à travers la barrière, quoi. Il y a un véhicule, elles passent pas à travers le véhicule. Enfin, je sais pas, vous voyez, des petites fonctionnalités comme ça qui pourraient être bien sympathiques dans ce jeu. Qu'un pauvre chien ou un pauvre cheval, quoi, enfin, tu vois. Tu m'as compris, Giant? Non, parce que tu regarderas pas ma vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Je tenais quand même à le dire. Allez! Comme diraient les autres, c'est les influenceurs qui devraient parler de ça. Au lieu d'essayer de faire de la vidéo. Ah oui, mais il y en a beaucoup. Ah oui, mais il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est un godet qui est vachement bien. S'il y a tout un pack, c'est ben, c'est là où j'avais mes. What? Attends, on en avait peut-être pas mis les 4 roues motrices. Si. Ah, attendez, on va revérifier. Ah bah j'ai dû les enlever du coup. Voilà. Ok. On fait quoi? On se tape une collision à la con ou... Ah bah non, mais ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Que j'ai plus l'accès à la caméra parce que j'avais fait. Hop, ouais, bon, la radio on s'en fout, vous inquiétez pas, parce que de toute façon on l'entendra pas donc. Oui, donc ça c'est tout un pack en fait. Alors, vous avez le. D'ailleurs, même baisser le truc. Vous avez les fourches là, les fourches à palette que j'utilise. Bon, si ce petit tas de caca nous enquiquine, ça va y avoir un souci au bout d'un moment quand même. Si ça c'est pas capable de prendre le caca, d'enrouler sur du caca, moi j'ai envie de dire merde quoi. Ouais, c'est le cas de le dire. Merde. Ok, un peu de caca. Donc attendez-vous l'année prochaine à voir un petit épandage, truc comme ça. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis. Ah ouais, je vais pas la ferme à chaque fois la pince. Je dis ça, je dis rien, mais attendez-vous quand même au cas où. À voir. Un petit épandage de fumier, quoi. Hein? L'année prochaine, on devrait en avoir un peu. Donc, attendez-vous un petit épandage de fumier. Comme il se doit. Sur nos nouveaux champs. Enfin, nos nouveaux champs. Sur les champs tout court. Parce qu'on n'en a pas des nouveaux. On en aura peut-être des nouveaux d'ici là. Si, on devrait en avoir un nouveau, d'ailleurs. On va lancer le. Pas mal de choses, d'ailleurs. Hein, je vous rappelle. Au printemps, là. Moisson et tout là. On va pouvoir aussi faire du compost. Relancer. J'avais d'ailleurs. Est-ce qu'on avait prévu du tournesol? On a prévu du tournesol dans le champ 13. Ouais, je m'étais fait un petit papier du coup. Je m'étais fait un petit papier parce que je me rappelais pas, donc j'avais re-regardé la vidéo. Je regarde mes vidéos, c'est histoire de me faire un peu de vue. Et j'avais noté ce que j'avais dit, et du coup, dans le champ 13, on avait parlé. Enfin, j'avais parlé, parce que vous avez pas parlé, vous avez juste regardé. De. Tournesol. D'ailleurs, histoire de faire monter mon nombre d'abonnés, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo FS19. Je sais pas. Non, vous en pensez quoi, vous? Ça marche pas ça pour faire des abonnés sur YouTube? Non. Ah merde. Non, parce que ça monte pas vite, hein. Ça monte pas vite, ça monte pas vite. Hein. Alors là, on dirait qu'elle est pleine, ma remorque. Alors je sais pas si on peut en mettre encore. Mais je pensais pas en avoir autant, moi, de caca, moi. Après, il va falloir qu'on se paille tout ça. Tranquillement. Ah ouais, alors j'ai le no collision, du coup, ouais. Le no collision, c'est bien et c'est pas bien. Du coup, on a la caméra qui fait un peu des trucs bizarres. Mais bon. Pas grave. C'est pas grave.
Elle était pas pleine. Bon, enfin, il en manquait pas beaucoup. Arrête-toi là. Voilà, bouge pas. Je reviens. Par contre, on met ça où? Ah! Je crois que... Attends, c'est 5 la radio. Hein. Je crois que j'ai oublié de me poser la question. Contre, ouais, voilà. Saloperie, c'est chiant. On passe à travers les vaches. Attendez. On va juste ouvrir la barrière. Où c'est qu'on va baigner ça? Oh merde, on aurait peut-être pas dû s'arrêter là. Ouh, c'était chaud. Ouais, où c'est qu'on va mettre ça? Il n'y a pas de fumière. Proprement dit placée. Ça, c'est pas une fosse à fumier. Hein. C'est pour reculer pour le lisier. D'ailleurs, j'attends la neige là pour voir un truc là au niveau de ce stockage là. En espérant que ça fonctionne. On va stocker ça où? Ah, mais si, on peut le stocker là-bas. Il y a les collisions normalement là-dedans, dit-il, en espérant. Bouti va dire ouais, vas-y, t'inquiète, t'as les collisions. Mais bon, j'ai tellement fait de magouilles. Ah, ouais, ah. Ah. Ouais, mais après, ça me choque de le mettre là. Non, sérieux, hein. Ça me choque de le mettre là-dessous. On va aller le poser par là-bas, là-haut. On va faire un gros tas. On va pas se prendre le trou fignon. Ah, j'ai vu qu'il y en a qui avaient des problèmes avec la machine à semences. Alors, je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai aucun souci. Et j'ai, on va dire, plus ou moins la même version que vous. Donc... Ah merde, mais c'est vrai qu'il y a un bâtiment maintenant ici. Ah, fais chier. Alors, on va pouvoir se débarrasser de ça là. On va se débarrasser de ça, les gens. Parce qu'on va se mettre à produire nos propres trucs. Donc, je voulais pas m'en débarrasser tout de suite. Mais on va s'en débarrasser tout de suite. Enfin, il suffit juste que je le trouve, simplement. Parce que ça, c'est pour un gagner. Pareil, ce poney là. Si j'ai besoin, au pire, si je vois que j'ai besoin d'engrais, ben, tant pis, on mettra, on achètera. Comme ça, je vais essayer de vider ça à côté là. Oui, ouais, si, on va vider ça à côté. J'allais changer d'avis encore, mais non, on va vider ça là. En espérant que ça passe pas à travers dans ce sens. Parce que les collisions sont prévues pour l'autre côté. Bout de si ça marche pas, je t'en voudrais toute ma vie. À savoir qu'après, j'y mettrai un tapis, moi. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ouais, faut juste pas être pressé apparemment pour le vidage de la benne. Attendez, on va quand même regarder. Tu peux courir un peu moins vite, s'il te plaît. Merci. On va quand même regarder ce que ça donne au niveau du silo. Hop! Petit glitch. Ah, et franchement, non, impeccable. Voilà, voyez qu'il travaille bien ce mec. Hein. Franchement, j'espère qu'il va nous faire une map pour le 19. Hein? Encouragez-le dans les commentaires de nous faire une map pour le 19. Sans, il pourra pas s'en empêcher. Donc après, est-ce qu'elle sortira? Je n'en sais rien, mais il pourra pas s'empêcher d'en faire une. Je commence à connaître un peu le bonhomme et enfin, quand je vois qu'à chaque fois il dit ah non, ah t'es d'ailleurs, ouais. Oui, je sais, tu m'as donné une version où les portes, machin truc, mais après j'ai peut-être. Voilà, avec une nouvelle version de la map, mais je l'ai pas. Oui, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis parce que j'ai oublié. Voilà, je sais. Il y a une histoire de porte et tout. Je l'ai pas mis parce que j'ai oublié. Je l'ai téléchargé et tout, mais je l'ai pas mis. Voilà, c'est voilà. Tu peux m'en vouloir autant que tu voudras. C'est voilà, c'est comme ça. C'est moi. J'y suis pas retourné sur ta map, ça fait un moment. Alors du coup, je sais plus.
Je sais plus où j'en étais. D'ailleurs, je savais même pas ce qu'on allait faire aujourd'hui. J'ai lancé le truc, je suis arrivé là, je fais ah, mais t'es apparemment, j'avais prévu de faire du curage. Bon, bah écoute, on va faire du curage et. Entretien de nos petites vaches. De nos petites vavaches. Alors, on en a combien de vaches maintenant? On en a combien? Non, ça c'est. Poney. On est à 92 et on s'est arrêté à. 80. Oh putain, par contre, elles ont la dalle. Oh merde! Ouais, j'avais remis du. Ouais, parce que j'avais. Je pensais que j'allais niquer tous mes balles autre fois, et puis en fait, j'ai pas tout niqué. Donc, du coup, elles en ont pas. Elles en ont eu. Et après, on va leur mettre de la paille et de l'encis. Putain, je me demandais ce que c'est qui est arrivé. Que... Ah, mais t'es plein! Eh, mais il y a combien de fumier? Ah, ouais. Vous croyez que ça s'est enlevé à mesure? Ou ça fait comme sur le serveur, il y a un temps de latence. Parce que ça voudrait dire que. Mais combien a fait ma remorque? 21 000? Ah, ça doit. 21 000? Je crois que c'est 21 000 qui a fait la remorque là. Bon, j'aurais bien aimé avoir une petite littorale pour travailler un peu, mais bon, apparemment, le mec qui fait ça, il partagera pas son mode alors. Après, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait une littorale, je crois qu'il y a une littorale de Zessieux là qui est sortie ou qui va sortir. Alors, je sais plus où j'ai vu ça sur Facebook, je crois. Alors, qui? Je sais plus. Mais j'ai vu ça, peut-être TicoPix. Je sais plus. Je veux pas dire de conneries, je sais plus. Mais j'en ai vu une qui devait sortir ou qui est sortie du coup. J'étais une littorale. Ouais, le mec est en train de vider en même temps qu'il remplissait. Ça peut durer. Hop là. Assez longtemps l'affaire. Ouais, farming il est bien parce que tu peux hop, ramasser en marche arrière. Ça franchement moi je. Niveau réalisme, ce jeu c'est une. Pouah, une dinguerie. Oui, je sais, il faudrait que je ferme la pince pour un peu plus de réalisme. Mais bon, est-ce que t'as vu marqué dans le titre on est ultra réaliste, machin, truc. Non, non, on joue sérieux, hein, mais on n'est pas non plus là pour faire un concours de celui qui travaillera le mieux sur YouTube. Et que des fois, ça pourrait être sympa, petit concours. La vidéo la plus putaclic. Arrête avec ça, t'es chiant, Matt. Non, mais sérieux, quoi. T'es jaloux, c'est tout. Bah ouais, je suis jaloux, ouais. Enfin, entre guillemets, c'est pas de la jalousie. C'est de l'incompréhension. Voilà, on va dire que c'est de l'incompréhension. Ouais, c'est de l'incompréhension, en fait, de... Parce qu'en fait, enfin, la plupart... Hein. Je parle pour la plupart, en majorité. J'ai pas dit que vous étiez tous comme ça, d'accord? Eh, commencez pas à vous énerver à monter sur vos grands dadas. Hein. Vous idolâtrez des mecs. Hein, idolâtrez avec un grand. Hein, avec deux points, deux guillemets entre le début et la fin d'idolâtrer, quoi, tu m'as compris. Des mecs qui vous racontent la même chose que vous voyez parce que. Vous n'allez pas me dire que ou vous n'avez pas Facebook ou vous n'avez pas YouTube parce que si vous êtes là, c'est que vous regardez des vidéos. Si vous regardez les vidéos de ce mec, vous pouvez tout simplement aller directement sur la chaîne YouTube de. J'avais un tracteur. De Farming Simulator et voir exactement les mêmes vidéos avec moins de blabla inutile. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai été voir aucune vidéo YouTube de mecs qui reprennent exactement ce que Farming a sorti ou sur Facebook ou sur YouTube ou des images de la Gamescom qui ont été filmées par des mecs. Toi, il y a des mecs qui se sont rendus à la Gamescom. Toi, des gens comme moi, comme vous, qui sont rendus à la Gamescom et qui ont filmé, qui ont pris des extraits de gameplay, qui ont parlé avec les gars de Giant. Qui vous ont montré les vidéos. Il y a des mecs qui reprennent ces vidéos pour en reparler. Enfin, je sais pas. Ouais, et puis.
sans balancer la source, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui met la source. J'ai regardé, il n'y en a pas un qui met la source dans les commentaires. Donc j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, si c'est pas pour le fric, tu fais ça pourquoi? Me dis pas que c'est de l'information, machin. Et les gens, l'information, s'ils la veulent, ils vont la trouver. Franchement. Après voilà. Après vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous kiffez ce genre de contenu, eh ben c'est pour ici. Ici au contraire, je vais dénigrer ceux qui font ce genre de contenu. Donc si t'aimes pas les gens qui dénigrent les gens, ben viens pas ici. Moi je leur chie tous à la gueule à ces cons. Je préfère rester avec mes 2000. Je sais même pas combien. D'ailleurs, je sais même plus à combien on est là maintenant. 2400, 2300, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là. Mais je préfère rester mais comme ça, hein, avec vous, que de devoir faire de la merde. Entre guillemets. Hein, toujours ces fameux guillemets. Tout simplement pour faire de la vue. Et donc, hein, du pognon. D'accord, quand tu fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. Mais bon, après il arrive un moment. Se prostituer, chacun son truc, mais moi c'est pas le mien. Voilà, bref, tournons la parenthèse, la page, parce que la parenthèse on peut pas la tourner, tournons la page. Et continuons nos petites bébêtes. Ça fait une grosse vidéo, ça encore, hein. Putain, vous allez être contents pour la plupart. Ça met bien les grosses vidéos. On m'en demande, yeah, vas-y, fais des grosses vidéos, ouais! Ah, on voit pas ton machin, t'es où? Bah, derrière le mur. C'est pareil, du coup, reprise des vidéos, donc. Bon, vous êtes pas beaucoup à regarder cette série-là, mais bon, moi, je l'aime bien, donc je vais finir, hein, de vous montrer tout ce qu'on peut faire dessus. Sur Deeprav, voilà, tout simplement, on va retourner dessus aussi. Ah, bah, t'es sérieux, toi? Je suis revenu juste pour ça? Il reste combien? Il reste 11 000. What? Ah mais attends, tu crois que ça prend ce que j'ai dans le godet? Non. Dans celui-là, il reste pas 11 000 de fumier. Ou alors je sais pas où il est. Là, faut qu'on m'explique. Mais il est où le fumier? T'as du lisier aussi, on va pouvoir faire de l'épandage de lisier sur prairie. Mais là on peut rien faire. Parce que je sais pas du coup, j'avais l'autre jour, je sais pas pourquoi, vous voyez, à force de faire des modifs de sauvegarde, je me suis fait couillonner. Normalement, si je me rappelle bien, ces champs-là étaient niveau traitement, ils étaient, je sais pas s'ils étaient à fond ou quasiment à fond. Mais ils étaient bien quoi. Ils avaient déjà un engrais parce que techniquement je sème avec un engrais donc tout ce qui est semé normalement il y a un engrais. Mais regardez, j'ai plus rien. J'ai plus d'engrais. J'ai des engrais nulle part. Bon, ici on n'a pas semé. Ici j'ai rien semé. D'ailleurs, le 13, pourquoi j'ai marqué le 13? On n'a pas. Ah si, le 13. Donc c'est celui-là qu'on va faire en. Oui, on avait ramassé les patates. Celui-là qu'on va faire en tournesol. Donc, quand je dis 13, maintenant c'est ça, 13. Hein, d'accord? C'est celui-là. Rappelez-vous, on a fait péter les arbres ici, on a regroupé. Le champ 13, c'est celui-là. Donc là, on va avoir du tournesol. Donc, j'espère que ça va suffire pour refaire encore du gasoil et un petit peu de palette d'huile, histoire de vous montrer un peu les palettes d'huile. Mais ouais, alors, du coup, ça fait chier quoi, parce que j'ai pas ça quoi. Et je peux pas traiter, j'étais là, bon mais tant pis, c'est pas grave, je vais traiter. Bon, je voulais voir si ça allait actualiser. Je voulais traiter. Non mais c'est pas possible, il est où le fumier là? Il n'y en a plus quoi. 11 000 en plus, fait. 11 000 c'est deux godets comme ça, donc excuse-moi, mais ils sont où quoi? Problème de synchronisation? Bon, on va se dire que c'est ça, hein, parce que là. Ah ou alors je sais. Je sais. Soit c'est la stabule. Bah pourtant elle est au ras du sol. Et vous voyez, on n'en voit pas de fumée. Donc à mon avis c'est la synchro qui se fait pas. Ça fait comme sur serveur, quoi, la synchro se fait pas. Bon alors on va vider ces 2 litres là. Et on va aller pailler. Je crois qu'on a éclaté la remorque.
va pailler, Manu. Oui, la blague était pourrie. Bon, comme les trois quarts de mes blagues, de toute façon. Alors, toi, évacuation. Mais je verrai, du coup, les portes, je changerai. On va le poser par là, lui. On peut le mettre là-haut. Yeah. Yeah. La fourche, elle est là. Ah, est-ce que je vais pouvoir sortir des balles de paille? Haha. Attends, tu peux te mettre en face, s'il te plaît. Est-ce que je vais avoir des balles de paille? Je vais pouvoir les sortir parce que vu que j'ai mis mes ballots ici comme un couillon. Bon, écoute, je vais en sortir 16, au pire je les rentrerai. C'est pas grave. Par contre ce que je vais faire, attends, je vais éteindre ça pour l'instant. Hop, oula, je vais pas courir assez vite. On va commencer par leur donner à manger. Et après, faut enlever le frame. Je t'ai putain, pourquoi il avance pas le tracker? Et après, on les paillera. Papayer, papayer. Ouais, c'est du bon côté, c'est quand même pas... Alors c'était un choix personnel du coup, je sais pas si je vous l'avais dit. Je sais pas si je vous en avais reparlé que la... Qu'il avait mis la bouffe de ce côté, c'est juste un choix personnel. Alors je lui avais fait changer. Mais il est revenu sur ce côté là parce que tout simplement il aime pas en fait voir la tête des vaches à travers les trucs. C'est vrai que... Bon, en théorie hein, ça se passe comme ça, mais c'est vrai que ça fait pas... spécialement réel on va dire parce que bah, vous avez la tête qui passe à travers, donc il trouvait ça plus, enfin niveau esthétique, mieux de le mettre comme ça. Au moins les vaches elles mangent dans le truc, enfin elles mangent là directement, elles passent pas la tête à travers, donc voilà. C'est voilà. Alors, je sais pas si je vous en avais parlé, du coup ça fait vraiment que je vous dis qu'on s'est pas vu, donc je sais plus de quoi on a parlé, mais je sais pas si j'ai pas l'enlevé ce mode collision là parce que vraiment c'est un peu chiant quand même. C'est ce qui me semblait. On va se planter. T'es pas en 4 roues motrices toi? Bah si. C'est bien la boue hein. Je kiffe. Je te jure, j'adore. Du coup, est-ce que j'en remets une... Ouais, on va remettre une petite gamelle. On va leur remettre un petit bol. Et comme ça, après, on va aller papayer, 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 yé, yé. Ah merde, je vais où, moi? Hop là, c'est par là-bas. Ah mais la remorque, ah ouais elle a les roues directionnelles, c'est pour ça que ça tourne bizarre. C'est pas parce que je sais pas conduire, bon il y a ça aussi mais... Ça faut pas le dire. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Ah ben voilà. Oh ben ça va. Ah par contre j'ai plus d'ensilage. Ah, il va falloir ensiler les gens. Il va falloir se refaire un petit ensilage. Alors c'était peut-être prévu, je sais plus. I don't know. Est-ce qu'on avait prévu de... Alors dans le 4 luzerne, dans le 5 coton, dans le 13 tournesol, dans le 19 maïs, dans le 6 orge, dans le 15 soja, dans le 18 soja, dans le 2 orge. Oui, parce qu'on va acheter le 2 après. Du coup, est-ce que
Parce que du maïs, il m'en faut pour les poiscailles. Et il m'en faut aussi pour l'ensilage, du coup. Bah après, c'est pareil, l'ensilage, si je veux, je peux acheter des balles. C'est tout à fait faisable. Oh merde. Excusez-moi. On peut acheter des balles. Si on en a pas assez. Mais je me serais bien refait un champ. On voit pas la carte. Je me serais bien refait un champ de le 19 en gras. Et il nous faudrait quand même un petit ensilage quoi. Donc je vais modifier le 15 ou le 18, va partir en maïs. Je pense que ça va se terminer comme ça. 15 ou 18 en maïs, on va faire le tour, on va pas s'embêter. Récupérer la pailleuse qui est de l'autre côté. Ouais, je pense qu'on fera ça. On va faire du maïs. Ça sera plus simple. On va faire deux champs de maïs. Comme ça, j'en ensile un. L'autre, on le moissonne pour faire du grain. Parce qu'après, c'est pareil. Il y a la farine. Je vous avais... Oui, si, on avait lancé la farine ensemble. Donc la farine pour la mélangeuse à cochons. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir aller récupérer la farine. Aussi un jour, on se gère avec le camion. Parce qu'après, du coup, c'est pareil, on va pouvoir accéder rapidement au cochon. Tu. Ah. Non. Détache la cardan. Détache le. Voilà. Oh, je suis loin. T'as la perspective. Et il va être assez puissant. Ah ouais, mais putain. Bon, c'est pas grave. Fermez les yeux pour celui-là. Ça, je vais voir s'il est assez puissant en même temps. S'il faut être dans l'autre sens pour pailler. C'est beau hein. PRP ça les gens. Ouais, il est assez puissant. Donc c'est good. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ah non, j'ai pas sorti mon autre tracteur là-bas, non. Si j'ai sorti. Non, j'ai pas sorti. On va faire ça. On va faire ça. Regardez ça, si. Vous allez voir. Du grand professionnalisme. On va faire ça. On va descendre. On va monter. Et pourquoi je cours vite? J'ai pas... Ah oui, mais parce que j'appuie. Alors quand on appuie sur les touches et qu'on est dans le tracker, ça le prend aussi. Donc c'est un peu chiant ça. On va faire ça. On en met combien? 3? Ouais, ce 4 ça fait beaucoup, hein, non? 3 c'est bien, hein. Même 2 à la limite. Ouais. Ouais, 3, allez, vas-y, soyons fous. Non! Ah, saloperie. Allez, hop! Sans fin de pailler ça, et puis ben voilà, puis après on va s'abandonner la dissue. Est-ce qu'on avait remis, enfin non, parce que j'avais arrêté. Hop, on va se remettre en x5, parce que le temps n'avance pas sinon. Bah du coup, pour le temps perdu par rapport à la vidéo, on va se mettre en x10. Hop. Voilà, ça c'est RP. Non? Vous trouvez pas vous? Oh, c'est bon. En marche avancée, ira mieux. Merci tonton. Ok, ça passe au mur. Ouais, facile. Attention les filles. Poussez-vous. Attention, vous allez en prendre pas la gueule. C'est parti.
Bon, normalement, il faudra avancer en même temps, hein, mais bon, on n'est pas non plus très, 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 très beaucoup spacieux dans l'affaire. Puis normalement, je vais pas être connerie, mais on doit pouvoir diriger du tracteur la buse, là, enfin l'espèce de buse, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une buse. Hein. Ok, donc là on n'en a pas assez. Ah oui, effectivement. Putain, je pensais que j'allais en avoir largement assez avec mes trois ballots. Ah, du fumier, moi je vous le dis. Hop là. Bon, vu la quantité, du coup on va en mettre 4. Hein. Et franchement, je pensais tellement que j'allais en avoir assez avec mes trois ballots. Je vais surtout pouvoir penser à en racheter, à mon avis. Ces fameuses fourches Robert. Eh, faut espérer qu'elles sortent dans le 19, hein. Parce que ça, on est pas bien. Hein. Oula, 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 ça a failli mal tourner. Allez. Ça passe au plafond? C'était juste. Hey, paille, 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 paille. Après, il y avait des trucs, des machines qui étaient sorties. Je crois que j'en avais pas mis en mode encore. J'en avais mis, mais. Attends, je surveille juste. Ouais, après, avec ça, ça va largement suffire. J'aurais plus qu'à leur rajouter de l'eau. Mélo, je vais attendre votre retour. On va pas mettre de l'eau. Est-ce qu'on achète le système tout simplement pour remplir loge de flotte ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi, ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. A plus ou c'est qu'il n'y a plus de place? On doit plus en avoir. Ok, bah c'est good. Puis j'en rajouterai un ou deux. Après, j'aime pas qu'il en reste dans la machine, donc non, je vais pas en rajouter. Non, je vais pas en rajouter. J'aime pas qu'il en reste dans la machine, je trouve ça chiant. Là, du coup, vous voyez, il en reste un ballot, ça, je savais même pas, ça, c'est chiant. Donc, mais voilà, donc pour la flotte, j'attends vos commentaires. Dites-moi si je rajoute le système d'irrigation, entre guillemets, si je l'achète. Ou si, tout simplement, je continue à faire des petits voyages de flotte. Ça me dérange pas, l'un comme l'autre. Vous me dites. Déjà, remarque déjà, si vous répondez à ça, c'est que vous avez été vachement loin dans la vidéo. Et rien que pour ça, déjà, je vous remercie. Et c'est que lui, à mon avis, il servira pour mettre des engrais bien rapidement dès la fin de l'hiver. Donc on va aller le poser par là-bas. Hop là. Sur ce, moi les amis, il me reste plus qu'à vous faire un gros zoubi, à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, hein, petit pouce, ça fait plaisir. Tu partages la vidéo, ça fait encore plaisir aussi. Et puis voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais un gros zoubi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'est tout pour moi, ciao ciao les amis, à bientôt, tchuss.